Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Afrique N24. Togo. Protection des côtes transfrontalières. Le Togo et le Bénin annoncent des grands chantiers. De grands chantiers sont annoncés à Agbodrafo, Togo, et Grand Popo, Bénin, dans le cadre de la protection de la côte transfrontalière. Ces travaux, projet conjoint entre le Togo et le Bénin est coiffé par le programme de gestion côtière et d'appui à la résilience des populations côtières, ou ACARSIP, appuyé par la Banque mondiale. À travers ces vastes chantiers, il est prévu la construction et la réhabilitation d'épis de protection. Aussi notons, le réapprovisionnement des plages en brise-lames. Notons que les deux pays ont engagé l'entreprise néerlandaise Boskalis International BV, suite à des accords à environ 63 millions d'euros, près de 42 milliards francs CFA, pour mener ces travaux. Le constructeur va officiellement assurer les travaux de protection du segment de la côte transfrontalière Agbodrafo, situé à une trentaine de kilomètres à l'est de Lomé, jusqu'à Grand Popo et de la Bouche du Roi au Bénin. La zone frontalière considérée. La cérémonie de lancement est prévue pour jeudi 3 novembre à Anéo. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire.